mise en examen, un ministre s'en va. Ça me paraît très sain. Le ministre, quand il est mis en examen, il reste présumé innocent. Pour autant, il n'a plus la capacité, parce qu'il est mis en examen, à tenir la charge qui est la sienne. Enquête préliminaire, bah écoutez, non. On ne va pas à chaque fois demander quelqu'un de démissionner. Par contre, mais ce n'est pas mon sujet, moi. C'est le sujet du Premier ministre et c'est le sujet du Président de la République. Oui, bah vous connaissez bien le Premier ministre. Bien sûr, oui. Mais s'il le considère qu'il gêne le gouvernement, bah qu'il lui demande de partir. Si M. Ferrand lui-même se rend compte qu'il gêne le gouvernement, qu'il gêne son camp. Mais restons, si vous voulez bien, sur des principes pour que ça fonctionne. Vous avez vu Jean-Jacques Bourdin depuis ces années, vous avez commenté vous-même, vous avez vu cette campagne présidentielle avec François Fillon qui avait démarré en expliquant « si je suis mis en examen, je m'en vais ». Bon bah écoutez, moi j'ai dit le jour où vous l'avez dit à François Fillon, vous lui avez dit « tu dois partir ». Je lui ai dit le jour. Vous lui avez dit « tu dois partir ». Je lui ai dit « bien sûr qu'il faut arrêter ».